C'est un cerisier celui-là? Non, non, pas, non, pas, pas du tout. Non, non. Celui-ci, c'est là-bas. En plus, ils sont bons. Ils sont très bons. Par contre, quand ils sont mûrs, il faut se dépêcher de les manger. Ouais. Parce qu'après, c'est les oiseaux. Enfin, ils en ont besoin aussi. Hein. Je suis né à Kalebournou, à Chypre. Je ne suis pas né dans une bonne période. Je suis né au moment où la guerre civile a commencé. Bah, je travaillais au noir dans le textile, hein, chez les compatriotes souvent. Voilà. On ne gagnait pas beaucoup. Il y avait du travail, mais tout le monde profitait. Même après, quand j'ai eu mes papiers, tout le monde a profité quand même. Hein. Même sans papiers, je travaillais au noir. Je suis là, travailler encore 2 ans ici jusqu'à au moins avoir 10 euros de plus à la retraite. Je pense que je vais avoir dans les 40, même pas 45 trimestres. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de malheur, mais j'ai des mal accompagnés. C'est pour ça que j'ai raté ma vie. Après avoir vécu 2 ans et demi, 3 ans dans la rue, il y a eu une assistante sociale qui a eu sûrement pitié de moi. Elle m'a trouvé la structure où j'habitais pendant 2 ans. Et le Pôle emploi dans lequel j'étais, elle m'a proposé ce travail-là. Et pour moi, voilà, c'était un peu à la fin de misère. Enfin, la plus dure, elle est passée. Les salariés en insertion sont sur des agréments de 2 ans maximum. Donc l'idée, c'est de les réinsérer, donc c'est pas qu'ils s'installent dans leur mission et qu'ils bougent pas. Vraiment, ouais. C'est l'idée de... On vous réapprend à vous habituer aux contraintes professionnelles, à vous lever le matin, à respecter la hiérarchie, etc. Et derrière, l'idée, c'est de les bouger le plus rapidement possible vers d'autres emplois. On fait quelques exceptions en fait sur les agréments, notamment pour les personnes qui s'approchent de l'âge de la retraite, et Ardinch en fait partie, donc je pense qu'on va en prolonger son contrat jusqu'à sa retraite. Il vous apprend des choses? Oui, il m'expliquait... Comment faire monter la tomate, en fait? Ah ouais? Parce que ça peut grimper jusqu'à 2 mètres, hein, c'est ça, hein, tonton? Hein? Ça peut grimper jusqu'à 2 mètres, la tomate, oui, en hauteur. Oui, le plus important, ouais, de finir ça. Et après, il faut l'ajuster là-haut, on le sent. Un peu de mâche, au fur et à mesure, on trouve la tomate. Il faut que ça fasse le tour pour que... Et quand, à fur et à mesure que la plante est grandie, t'as aucune marge à la faire entourer. La première personne qui m'a accueilli, il faut savoir, c'est Erdich, accueilli, qui m'a dit, je te conseille, si tu aimes bien, de rester, quoi, de rester. Et ce que j'ai fait, je l'ai écouté, et franchement, pour moi, je ne suis pas déçu, parce que c'est ce que j'aime faire, en fait. Voilà. Quand on s'en occupe, la plante, elle se remet. La plante, il le ressent, je ne sais pas. Moi, je le remarque. Ils aiment les plantes être très touchées, caressées, surtout quand il n'y a pas du vent, les faire un peu ventiler. Ils changent la couleur, ils prennent de la couleur, ils prennent plus de vie. Parce qu'entre-temps, je pense que les racines, ils prennent plus de dents pour se fortifier.